nous allons voir ensemble comment réaliser les prunes rôties au sabayon de mascarpone. C'est une recette vraiment facile à réaliser et qui ne vous prendra que 20 minutes. Côté ustensiles, prévoyez un fouet ou un batteur et côté prix, compte environ 1,50€ par personne. Et tout de suite, les ingrédients. Pour la réalisation du sabayon, il vous faut 60 g de sucre, 60 g de mascarpone, 15 cl de crème fraîche liquide et enfin 3 jaunes d'œufs. Pour les prunes rôties, il vous faut 8 prunes, 60 g de sucre, 10 cl de crème fraîche et 10 g de beurre. La première étape du sabayon de mascarpone consiste à battre ensemble les 3 jaunes d'œufs avec le sucre. Incorporez le mascarpone délicatement à la préparation précédente. Fouettez les 15 cl de crème liquide jusqu'à ce que le mélange devienne blanc et mousseux. Ajoutez les 15 cl de crème fouettée. Deuxième étape, les prunes rôties. Après avoir lavé vos fruits, coupez-les en deux pour retirer le noyau, puis en petits morceaux. Dans une poêle, faire fondre les 60 g de sucre jusqu'à la coloration d'un caramel. Puis ajoutez 10 cl de crème liquide et 10 g de beurre. Mon morceau de beurre. Disposez alors les fruits dans le caramel. Et voilà, maintenant laissez simplement compoter une dizaine de minutes. Pour le dressage, je réunis donc mes prunes rôties que j'ai laissées refroidir, le sabayon de mascarpone que j'ai sorti du frigo, et j'ai rajouté aussi des petits biscuits. J'ai choisi aujourd'hui des biscuits de miel et sésame, j'adore ça. Alors nous allons tout simplement mettre d'abord les fruits. Puis le sabayon de mascarpone et j'émiette un croquant. Et voilà, prune rôtie au sabayon de mascarpone avec ses petits croquants de miel au sésame. Bon ben moi je vais finir mon repas.